Bonjour mes petites viennoiseries. Aujourd'hui on résume Lucrèce Borgia, une pièce de Victor Hugo inspirée d'une personnalité historique réelle qui est, comme tu l'auras compris, Patrick Balkany. La pièce s'ouvre sur une nuit étoilée de Venise. On est en pleine fiesta. C'est la fiesta. C'est alors qu'on découvre une bande de petits nobles, copains comme cochons, parmi eux Gennaro, un jeune et beau gaillard, comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, vu cette nouvelle génération de drogués. Gennaro a une triste vie, il ne connaît ni son père, ni sa mère. Oh là, on a compris, doucement Gennaro. Gennaro, qui a probablement ingéré une substance pas très licite, s'endort d'un seul coup. C'est alors que la discussion des autres beaux gosses au biscotto tout dur dérive sur le sujet qui fâche. Lucrèce Borgia, la fille du pape Rodrigo Borgia. C'est une femme à la réputation sanguinaire qui fait semer la terreur sur toute l'Italie. Tous dans l'équipe ont un ami ou un membre de la famille assassiné par cette dernière. Tous sauf Gennaro. Oh, mais quel mystère, mais comment cela se fait-il? Mais c'est insoutenable, je veux savoir, mais pourquoi ça? Oh mais merde, Pascal, sois patient Pascal. À ce moment, la bande entend au loin le DJ lancer Femme Like You de Camaro. Obligés d'aller se déhancher, ils abandonnent Gennaro encore endormi. C'est alors qu'apparaît la si détestée Lucrèce Borgia. Mais curieusement, elle paraît plus fragile que méchante, un peu comme Madame Leclerc, mon ancienne CPE. Elle est masquée car personne ne doit la reconnaître. En effet, Lucrèce n'est pas chez elle à Venise et n'est franchement pas aussi populaire qu'Omar Sy. Ah là là, il a l'air sympa ce gars quand même. En tout cas, il a un rire super communicatif. Mais pourquoi Lucrèce est-elle à Venise? Eh bien pour Gennaro. Elle dit l'aimer, même si, étrange, elle ne l'a pourtant jamais rencontré. Elle voulait l'apercevoir. Et désormais, elle veut être plus sainte que Kimka pour gagner son cœur. Elle se repent et regrette sa réputation de tyran. Emportée par son amour, Lucrèce enlève son masque et ne peut s'empêcher de déposer un tendre smack baveux style vieille tante dégueu sur le front de Gennaro. Évidemment, faut pas s'appeler Madame Irma pour deviner que Gennaro se réveille. Mais il ne reconnaît pas Lucrèce et il se sent un peu comme attracted par cette femme. Gennaro se comporte comme ce mec en soirée qui se lance dans des sujets super intimes alors que tu l'as rencontré il y a 10 minutes. Il se confie sur sa mère qu'il n'a jamais connue mais qui lui écrit parfois. Il l'imagine bonne, douce et tendre, un peu comme un bon calendos truffé là. Selon cette mystérieuse maman, ils ne peuvent pas se voir car la naissance de Gennaro doit rester secrète au risque que ce dernier soit tué. C'est alors que les copains de Gennaro, allez, vraiment BG on peut se le dire, arrivent en trompe. Ils ont reconnu Lucrèce au loin et révèlent à Gennaro sa véritable identité. Gennaro est sous le choc, Lucrèce s'évanouit. Hop là, on prend la gondole direction Ferrari, la ville de Lucrèce Borgia. On la retrouve chez elle quelques jours plus tard. Elle est archi vénère contre la bande de jolis garçons qui lui a bien niqué son petit moment intime à Venise. Elle veut se venger. Et comme par hasard, toute l'équipe est en déplacement à Ferrari. Lucrèce a donc songé à une vengeance au petit macaron. La petite bande, quant à elle, est un peu inquiète d'avoir chauffé la meuf la plus sanguinaire d'Italie. Finalement, peut-être serait-il plus prudent de rentrer à Venise. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ils sont tous invités ce soir chez la princesse Negroni qui est archi fraîche. Ils décident donc de rester. Mais curieusement, Gennaro n'a pas reçu de carton d'invitation à la boum. Et comme si c'était pas suffisant que Gennaro passe sa soirée seule à regarder la rediff de Top Chef, tous les copains le charrient sur son amourette présumée avec la petite Lucrèce. Gennaro s'en défend. Il a cette femme en horreur plus que les burgers de Big Fernand qui, on peut se le dire, ne valent absolument pas leur prix. Le soir même donc, on retrouve la bande de loupards. Décidément un sacrément beau gosse, en train de festoyer. Ça boit, et tandis que la fête bat son plein, comme disent les jeunes, Lucrèce fait une soudaine apparition. Toute cette soirée n'était donc que manigance de Lulu. Elle les informe qu'ils ont tous été empoisonnés. Lucrèce se délecte de sa vengeance. Mais qui se manifeste au fond de la salle? Le petit Gennaro, qui a donc lui aussi été empoisonné. Ciel, Gennaro! Crie Lucrèce dans un élan de simplicité. Ah bah Victor Hugo, c'est le pilier du romantisme. Donc autant te dire qu'en termes d'expression des sentiments, c'est pas mon père qui a jamais réussi à me dire je t'aime alors que j'avais besoin de l'entendre. Gennaro n'avait pas été invité, il n'était pas censé être présent. Mais Mafio, son copain à la clope, a réussi à le convaincre de squatter. C'est ce qu'on peut appeler, je pense, un mauvais plan. Comme ça commence à être sacrément fouillé à l'image, Lucrèce décide de faire sortir tout le monde. Cette dernière supplie Gennaro de boire son contrepoison. Gennaro demande à Lucrèce de payer sa tournée de shot de contrepoison à tout le monde. Mais malheureusement, elle n'en a plus sous le coude. Alors Gennaro voit rouge. Il attrape un couteau sur la table. Il le dit, il va la tuer. Gennaro, me tuer? Est-ce que cela est possible? Gennaro coupe sans cesse Lucrèce alors qu'elle tente de lui avouer quelque chose. On se croirait en plein débat sur CNews. Il entend la voix de son ami Mafio. Gennaro, je meurs,
je crois. C'est assez pour le convaincre. Gennaro poignarde Lucrèce, qui dans un dernier souffle soupire. Ah, tu m'as tué, Gennaro. Je suis ta mère. Et ouais, tu tombes des nues, Narvalo. L'amour de Lucrèce était donc un amour maternel. Pour info, les historiens ont plus tard démenti la soi-disant tyrannie de Lucrèce. Elle aurait été beaucoup moins junkie, cochonne et incestueuse que le père Rodrigo ou le frère César. Et puis, finalement, l'ami Victor dépeint plutôt une mère désespérément aimante qu'une femme tyrannique. Qu'est-ce t'en penses, toi, hein? Donne ton avis un peu, merde, je suis le seul à parler. Pour exemple, je finis avec cette réplique de Lucrèce à Gennaro. Il faudrait donner toute ma vie pour ajouter une heure à la tienne. Il faudrait répandre tout mon sang pour t'empêcher de verser une larme. Il faudrait m'asseoir au pilori pour te mettre sur un trône. Tu ne sauras jamais rien de mon pauvre misérable cœur, sinon qu'il est plein de toi.